Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Boyei malamu na GKM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, nazana esengwa koyeba bino ebele na bolandi émission na bino ba éclairé debout congolais bipa union so bozwami à travers mokili mobimba boyeba ete samba olonga zana esengo ya koyeba bino ebele. Merci pour na confiance na bino pe fidélité renouvelée na émission na bino debout congolais. Justice yanzambe eratakate, justice yanzambe motomo kote a échappaka na contrôle nango. Soki osalaka mabe okanisi tozo mona yote, soki oza gangi tope oza moto makasi biso tokoka kostope yote yeba yango ke le fouti ezali pona moto nyonso ba acte nyonso topozaka toyebaka ke litomba nango ezali eza tarte po yo o changer. Il faut toujours savoir faire du bien, rien que le bien, parce que conséquence, il y a mabe pour nabolamu et zalakate. Même ceux qui battent aux autres sont dans le bazali ingrat, sache-le bien que même dans l'au-delà, tu auras une place pour tes bienfaits. Alors, yom toza ko sala mabe, ko kanisate aux autres les kabison esprit. Yeba ke karma, et ko finir pas ko rattraper yo. Na lombango na ken actualité meminga liboso na bino mokolo ya lelo ya liboso ezali tole oyo eza ko s'en suivre après manifestation ya bato ya secte moko babengi wazalendo mokolo ya lobby 30 août na ville ya Goma. En tout cas, suite ya bakrochage oyo salomaki entre ba force ya République topé garde républicaine FARDC, 7 morts na côté aba manifestants et un policier aussi tué par des manifestants. Yango ezalaki bilan oyo pesamaki officiellement na ba autorité urbaine pour na manifestation yango wana. Kasi uta tongo ya lelo ba voix ezali ko s'élever bipai na bipai pour na ko décrier carnage. Selon certaines voix, il y a eu plusieurs morts lors de cette manifestation. Manifestation ngwe ememi batu musu bazako loba 50 morts, ba musu bazako loba 48, mais le bilan jusque là officiel est de 7 morts. Derrière cette marche se cache une réalité. Vérité moko ebombami na sima ya marche wana. Pourquoi la marche, elle avait été interdite? Qu'est-ce qui a fait que l'armée ouvre le feu pour calmer Batoué? Pourquoi il y a eu des morts? Batoué Bele Bazali Kosenga, notamment Bayi opposition, Bazali Kosenga, qui enquête et a ouvert et puis bah, responsable Bazala sanctionné. En tout cas, on ne peut pas avoir des morts comme ça lors d'une manifestation. Ou Batou, Bazali Ko manifester uniquement pour na Kosenga départ ya Monisco ou Azali inutile pour na Bango. Na kanisi bino pe boza ko mituna mituna ebele na bandaku. Pourquoi il y a eu des morts? Pour na nini? Toutes ces questions, nous allons tenter de les répondre. C'est dans cette émission. Restez branchés, restez scotchés. C'est tout à l'heure avec Samba Olonga à travers analyse pe décryptage à l'information. Sangwami balé tokolobela awa ezali bobangi oyo ezali kokota na régime ya Paul Kagame. Tomoni après plusieurs remaniement, plusieurs mises en place na garde naïe républicaine, Paul Kagame procède cette fois-ci à la mise en retraite de ses généraux, parmi lesquels toza ko cité James Kabarebe. C'est quoi vraiment la menace et pourquoi c'est important na moment oyo choisi pour na commettre de côté mutunaye akati son nom Muto Yokombo Iyebani Uta Kabila Muzé. Cet homme-là qui a eu à diriger des armées en République démocratique du Congo et au Rwanda. Cet homme-là qui était à cheval entre deux États, cet homme de confiance de Paul Kagame. Pourquoi Kagame, en ce moment précis, choisit d'écarter les personnes qui l'ont accompagné depuis le début de son régime? Nous allons tenter de les savoir
dans cette mission. Ça présage quoi, ma décision na ye. Tokolo belango kala mingi te awe bongo pona bosuki si ba coup d'état eleki ebele bolobi samba olonga coup d'état oyo ya Gabon olobeli yango penza penza te makambo eze ebele bomba mina kati. Est-ce que biso pe Congo toza menacé te? Est-ce que ba coup d'état oyo est épargné parce que si y est déjà en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe à la une de l'actualité? Et singeli toye ba yete président ya Angola Joao Lourenço, suite à coup d'état où il salami na Gabon, faut te baguer. Omar Bongo Ndazalaki et Ali Bongo, pardon, a qui vous savez que Omar Bongo Biseka Lalaki. Ali Bongo, Azalaki président en exercice, il y a CEAC. Yango, il s'est dit que le président Angola a kende na Lumbango pour na visite Moko, il y a consultation na Brazzaville et pas ya ene na ye, ba kende ko solo la kuna, ndenge nini, ba koki, ko. Zwa position par rapport à Makamboye na organisation na bango eko fonctionna kandenge nini. Nous allons parler un peu de ce coup d'état, ce que ça représente en Afrique centrale, rapport nini na République démocratique du Congo, c'est tout à l'heure dans cette émission. Encore une fois de plus na pesibino matondo mingi pe boye malamu na émission Debout Congolais, émission na bino ba éclairé. Ceux qui ont mbala na yo, ya liboso ozali ko participer na émission oyo, oza kolanda mongongo ya mwana mboka Samba Olonga na sengi na yo, o s'abonner pour comme membre effectif topé, membre permanent ya émission na biso ko bosa na ko liker te. Mikolo na zo insister mingi na ko liker parce que bozola de mission, boza ko partager te, boza ko liker te, bozo pe sa force te na chaîne oyo. En tout cas, il faut le faire, c'est votre manière de contribuer pour que cette émission continue à faire du bien et continue à éclairer les autres. Laissez-nous un commentaire depuis wapi oza ko landa émission oyo pe Ozali fardesse na motema depuis wapi soko za l'intérieur ya Congo comme province na yo soki pe ozali banda ya Congo yeba pe ko koma mboka epai wapi yo za kolanda émission oyo esalaka yo ba bien. En tout cas, il faut le faire, on continue d'être ensemble, surtout partager vraiment massivement côté ka voisin te na mulili pe sa epe lumière pour yepe azala éclairer lokola yo na lombango na zongi na actualité na biso ndenge na utaki koloba awa vraiment mokolo ya lobby oeleki le 30 août ba ndeko na biso ya secte oyo politico mystique religieuse wazalendo ba komaki mukanda pona ko informer na gouverneur militaire ete esengeli bango ba organiser marche pona ko informer ke balingi ko organiser marche na bango na ville ya Goma. Marche na bango ezali pona ko contester côté le mela MONUSCO abima libanda ya Congo. MONUSCO azali ko sala musala malamu te, présence na ye ezali nati nate yango bango bazali ko marcher pour na départ ya MONUSCO. Kasi mukanda wana kokoma na gouvernorat bayebisaki bango ete ba condition ezali réunité pour ete bango basala marche na bango. Marche na bango ezali autorisé te bakoyi ko sala yango te. Mais bandeko na biso quand même ndenge ezalaka balobaki, en tout cas il faut bango ba s'affirmer na droit na bango parce que la constitution congolaise garantit la liberté de manifester à tout congolais ou groupe de congolais qui veulent manifester pour une cause oyo ezali légitime. Bande ko na biso wana lobby mukola lobby bango basanganaki basangani babimi basi bana bilenge batata ba mama parce que za secte moko politico religieuse na ko détailler ko zonga sima ao bango bazui kombo ya wazalendo mais secte yango baza ko benga yango uwezo wanano mababu zetu. Kombo ya wazalendo eza emprunté après plusieurs
kosangana bakutani liboke ya oyo ya oyo basangani nde basincarner na kombo ya wazalendo parmi bango ezali pe na ba jeune na ba tata mususu oyo bauti na ba mouvement rebelle kilikili baye ko se cacher derrière mouvement wana o lelo to komi ko benga wazalendo bango nyonso bazali installé na village ya Kiziba 2 na territoire ya Nyirangongo aux environs ya ville ya Goma vers Nyabushongo eza secte moko eza na badepte bele to koki un peu ko comparer ngo na makambo eleka ki na ba Kongo awa ya bandeko na biso ya Bundu dia Kongo oyo lelo reste na bango bako batikala Bundu dia Mayala avec ne mwana nsemi. Donc souvent ba secte ya ndenge wana ezali ko se développer mingi na mboka na biso. Mais pour na bandeko na biso ba manifesta ki mukulu alobi ndenge boza ko mona ba photo na ba image wana. Manifestation oyo bango ba manifesta ki premièrement ezala ki interdite. Deuxièmement toyebi ete bango ba lancer défi na ba force ya sécurité parce que tango bato bakomaka ketolingi to sala marche autorité urbaine azalaka informé tango aza informé bachaka dispositif ya la police po na ko sécurité ma ko sécuriser marche wana tango bazako cha dispositif ya sécurité ezalite po na ko boma bato la police ya accompagner ka manifestants ko encadrer bango ko s'assurer que ordre désordre que vous allez na espace public bande qu'on a mis sur babi maki tous ceux qui m'accompagnent au mukolo lobi likolo likolo toujours qui que bazala qui réprimé bilan officiel au épée samaki ezali ya 7 morts. Je vous laisse d'abord suivre les rapports ya porte-parole ya gouverneur militaire concernant cette dite marche. Si mandé tozongi pour na ba analyse. Ont d'une manière très professionnelle opéré parce qu'ils étaient armés jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. Et le seul message que nous voulons lancer à la population, c'est de savoir que nous sommes, nous les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense et de sécurité, préoccupés par la sécurité de notre province qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur instruction de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, il sera nullement question de tolérer qui que ce soit pour insécuriser la ville de Goma. Voilà. Nous apprenons qu'il y a aussi des morts. Arrêtez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan parce que je viens de vous dire qu'ils étaient armés, des armes de guerre, des armes blanches, et voilà. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opéré de la manière la plus professionnelle possible. Ni moi ambao natumia uchawi ambao walikusudia usiku wa leo kuleta usalama mdogo katika mji wetu wa Goma wakitumia silaha na vifaa vingine vingine, lakini ambacho naweza nikawaambia ni kusema kwamba jeshi la taifa ilitumika d'une manière professionnelle kwa ajili ya kuwa neutraliser kisi mmewaona hapa. Kusema kwamba tungali tunaendelea na kazi na kazi ambayo tumefanya sisi. Ile ambayo tunaweza rasule na hiyo ripoti ni kusema kwamba wanaweza wakakuwa kimya kwani wote tayari wingi wao wanaweza kuwa na kazi. Ujumbe kwa raia ni kusema kwamba tunajua kwamba tuna tatizo tayari ya jeshi la Rwanda ambayo imevamia nchi yetu na M23. Ndio ambao akili yetu sisi maforce ya defense ya sekurite ambako hivi, lakini kwa muda huu hatuwezi kubali hata kuitika yeyote ule atakuwa na lengo ya kusababisha usalama mdogo katika
jiboye tuna hiyo ndio ma instruction tulipata kwa gavana ambaye ndio kamanda operation katika sehemu tunashuhudia. Asante. Voilà. Na kanisi ndenge bo uti kolanda porte-parole ya gouverneur militaire bande kuna biso oyo ba agisaki comme de hors la loi. Bazalaki maîtrisé ba mususu bakangi bango. Kasi information et pesami officiellement elobi ke yayi 7 morts dont un policier oyo azalaki lynché ba bambier ba bétier ba biloko na ba manifestant. Policier moko pe akufaki. Ba mususu ba kufaki pe na kati ya ba accrochage na ba service na biso ya sécurité. Ça ce sont les faits tels qu'ils se sont déroulés. Batu bazali surpris lelo ya koyoka ba certains groupes ya batu ya droit de l'homme, certaines langues de la société civile na bango moko ba militant ya mouvement wana kuluba ke manifestation bango basalaki bazalaki réprimé dans les sons. Le bilan est très lourd, il parle d'une quarantaine de morts, ba musu balobi 50. Les morts, bazalaki bien repris parce que ces vidéos-là, nous ne pouvons pas vous les présenter ici. Censure et Zalimingi na YouTube. Bakokata biso ndenge ba mesana ko bloquer biso. Donc sinon, on aurait présenté mituka ba vidéo wana na kanisi boza ko mona ndenge eza ko circuler. Si on peut compter voir ndenge nini baza ko benda bango, on ne pense pas avoir na mituka wana oui se présenter parce que eza caméra moko amateur. Mutu moko azalaki na pembeni place événement za koleka a filmé ndenge ba garde républicaine baza kozwa bibembe bazo tcha na mutuka. Pourquoi c'est arrivé? C'est la question que nous nous posons tous. Et komi ndenge nini ba komakiti na niveau wana ndenge nini na uti koloba awa a titre d'information que premièrement mouvement wana bazali balansaki nde défi par rapport à la manifestation na bango, c'est-à-dire ils ont manifesté comme de hors la loi. Tant que tout le monde a même na ville à Kinshasa au moni manifestation gouverneur Andimi Angote au moni ba pem ba bimi au moni ba militaire ba bimi, c'est parce que ils allient défi na ordre établi, l'état congolais est organisé en fonction des lois. C'est-à-dire soko kei à l'encontre des lois, c'est que aux allient ko représenter menace pour la nation. Et la galissou na ressort ya la police wana ekindaka na ressort ya armée muntu azalaka na défense ya intégrité pe sûreté ya l'état ndenge makambo pe samela. Pourquoi c'est arrivé biso nyonso tokanisi toyebi armée ndenge nini ezalaka formé et toyebi tango bato bazako kende ko intervenir ba militaire bazako kende ko intervenir na situation moko bazwaka ba instruction. Ça c'est nos analyses autres d'abord ko sale. Est-ce que nos militaires de la garde républicaine sont-ils fous pour tirer sur des manifestants main nue oyo ba agresser bangote oyo ba représenter danger mon côté pour na bango? C'est la question principale que moi je me pose. Parce que ma militaire, baillé pour empêcher que la manifestation, wana, oyo, ils ont un défi et dégénéré, maîtriser ces gens-là. Mais est-ce que les militaires peuvent tirer sur les manifestants sans qu'ils se sentent menacés? Nakolande la mutuna wanande tozako découvrir que, premièrement, bande kona biso oyo bazali ko se présenter comme ba wazalendo oyo bazali secte moko mystique religieuse basi ba koti pe makambo politique bazali ko sangana na kati na bango na ba groupe rebelle. Les renseignements militaires, les renseignements na ville ya Goma et c'est alisaki ke bato wana bazalaki préparé depuis longtemps na événement oyo bango e fallait basala na ville ya Goma. Ba se prepara ki bazana ba makamu na bango mystique basalaka soki ba se présenter devant ba force ya sécurité ba yebi ndenge nini bango ba ko se défendre. Et en plus de cela, ils n'ont pas manifesté à main nue.
Na kati na bango ezali na ba oyo ba etambolaki na minduki. Na kati na bango yayi ceux qui sont armés bazana ba koti na marche na minduki. Na minduki ya solo, na minduki na bango mystique. Tango ba se retrouver baza ko manifester et que garde républicaine faire des baza ko empêcher bango que ba kende te na sans so bango balingi ba kende parce que la préparation avait voulu que ba s'attaquer na ba base ya MONUSCO, ba s'attaquer na ba base ya MONUSCO, ba sala oyo bango ba préparaki. La garde républicaine, sur base des informations reçues par les autorités de la ville, bazala ki na mission ya ko empêcher que mission wana bango ba yena ngo ba kokisa yango te. Mais qu'est-ce qui se passe? Deka na uti ko lobawa ba militaire baza ba fouté pour akende ko tirer sur mutu sans que mutu wana représente menace pour naye. Dans contexte nuance, que ce soit pour les militaires, que ce soit pour nous les civils, il y a ce qu'on appelle légitime défense. Premièrement, mutu ye moko tango amoni mutu mususu aza ko représenter insécurité pour naye topé menace. Mutu ye ko agresser yo azana mbeli, soki yo utiliser pe mbeli sali donc ozana légitime défense baza ko tala arme oyo mutu utilisaki. Les militaires de la garde républicaine ba se retrouver que baza face à ba manifestants oyo baza na intention réelle ya ko nuire bazali ko utiliser pe bibundeli na bango ba ye lokola bato ba ye na guerre. Que peuvent faire nos militaires à ce stade là? C'est leur formation militaire. Tant que vous avez une mission de Nguana, à trouver que vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez une menace proportionnelle. Donc, les militaires, vous avez un temps, vous avez un. J'ai fait cette analyse en fonction des réactions qui émanent par-ci, par-là. Vous avez droit de l'homme, Tomoni, Moïse Katumbi, a sali tweet na ye ndenge bozo mona ngwana. Tweet ya Moïse Katumbi, OUP, a sali ko condamné acte. Même heure avec Martin Fayoulou qui lui aussi réagit par rapport à ce qu'ils appellent carnage, parce que ce sont les mêmes réactions qui vont dans les mêmes contextes. Il faut que l'enquête est à la ouverte pour déterminer banani baza ba auteur et puis établir les responsabilités. C'est vrai, mais tout ça pour ça l'analyse d'abord pe biso nyonso biso to koza la justice militaire te pona kosambisa ba soda wana, mais tout ça pour ça l'analyse oyo est libre parce qu'on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Nous faisons nos commentaires, parce qu'il y a des gens qui s'indignent, mais qui ne savent pas placer cette histoire dans son contexte. Yo, yé, vous utilisez armes na yo mystique pour na yo boma militaire. Vous utilisez munduki na yo memi pour boma militaire. Yé bisanga yé militaire wana. Azana droit ya ko se défendre te. Selon batu oyo bazali ko silika pourquoi un tel acte pour la nini bibembe ya batu boye ko kende ko boma bango. Que devait faire réellement nos militaires face à une telle menace? Ce n'est pas pour la première fois que manifestation est réprimée na Taïwana. Je rappelle encore un événement qui s'est passé au Katanga, il y a même Taï. Na bimana nous mouke na contexte oyo. Il y a un moment moko manifestation moko esalemaki na Katanga ya soi-disant bakata Katanga. Félix Tshisekedi au pouvoir en 2020. Toujours kota 2021, il y a eu une organisation comme celle-ci. Batu moko soi-disant les bakata Katanga bazalaki armé instrumentalisé pour ba défier autorité à l'État. Ba kende ba assiéger ba institution provinciale pour ba déclarer indépendance ya Katanga. C'est une menace pour la sécurité de l'État. Ils allient menace contre intégrité ya Mboka. Na contexte wana armé ayebi kazali face à une menace, to face à un mouvement rebelle qui s'attaque à l'autorité de l'État, bazala kanandingisa ya kobeta na nzoto ba kobunda na yo lokola armé oyo kobundise kolo. Ça s'est passé au Katanga, les gens se sont indignés. Tu es bien que batupe bakufaka. Oyo bandeko na biso bazalaka manipuler na Katanga basalaka acte wana barbare. Ils sont entrés toza komona bango bazola kisana babilili, bakoti milongo bazako huta na bazamba, bazo traverser ville.
Et comme c'était en complicité avec les agents, certains agents de la sécurité, même renseignement, Moutouyane Rouana Zalaki Kuna, na époque Wana na Katanga, aye baki, ningeni na babandaye kousala makamuna bangouana. L'idée c'était que va créer Vamoko Makasi na Katanga. Mais c'est une menace contre l'État. L'État est allé bisounion, c'est allé organisation, c'est allé mibeko na biso. Lorsque menace moko est allé se présenter contre l'État, contre les lois établies, mibeko epesi ningisa. Bato andengo wana ba ko neutraliser bango. Bato bakufaka na Katanga, ce n'est pas pour une première parce que les gens vont s'indigner, les droits de l'homme va parler. Mais ça, ce qu'on met en haut, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit Wapi et Sika Wapi, il y a un État avec une organisation bien définie. Paco Bomayo, nous regrettons la perte des vies de nos frères. Oyo, normalement, visiblement, les raisons, Oyo Bango va présenter qui, et ça qui va raison, Moko juste. Parce que nous sommes tous d'accord que Monisco a continué coexister na mabele na biso. Ils ont prouvé au monde entier, à nous-mêmes, que présence na bango est inutile, bazali pe force négative le kola ba force nyonso. Comme na sina lobaka ngo na ba émission belé, nous ne pouvons pas à ce stade là biso to sala li ya ba adversaire to pe ba ennemi ya nation na biso pour ba profiter na ba erreur na biso. Va continuer à coagir dans le contexte et le complot international les alliés contre Bissou. Bandego, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. La secte s'appelle Uwezo Wanano Mababu Zetu. Yangwana kombo ya secte. Bomoni yango bien ezalo ko l'église ba mama bazakuna bana bazakuna batu ya ndenge na ndenge bazakuna tango bakangaki bomoni toute tendance confondue ezawana ils sont bien représentés. Comment ils ont quitté de la religion de cette secte à la politique? Qui mène ces mouvements là? Parce que leader na bango na esika basanganaki bakendaki bakangaki bango ba panzaki esika nini basayelaki organisation wana. Les informations parvenues aux forces de sécurité, Zalakike, le mouvement est en train de se former, Bakomi, Lokola Komisa, la armée. L'intention, c'était de paralyser la ville. Et puis, élément moko eza très important. Pour Nabatu Oyo, Bayaga Kobimambang, Okaka, pour Nabatu décrier, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une dictature. Voilà les actes de Tshisekedi qui définissent un pouvoir finissant. Décrier. Certaines personnes, comme je l'ai dit, tout le monde bien, ma déclaration à Fayulu, Yakatumbi, et ceux qui sont dans les idées que Félix Tshisekedi est un dictateur, est respectueux et a droit de l'homme. Non. Les contextes sécuritaires obligent aux garants de la nation, aux commandants suprêmes des forces armées, d'agir dans de telles circonstances. En fonction, il y a responsabilité aux Isaïe. Goma, ça fait maintenant plus d'une année, toujours au Kende, deux ans, que Goma est sous menace sécuritaire. Ma ville, Nyon, Sotope, ma village, ma territoire, où est Tombaki, Namaboro, il y a M23. Les complots qui ont fait que certains de nos militaires soient emprisonnés, ma Cédé, ma Bounagana, ma ville, Bélé, l'objectif est là que. Va finir na Goma. Et ça là qui point y a chute na Bango. Et ça même pas bayati na Kinshasa. Objectif est là qui que ba quoi installer sous Goma local à l'époque à Joseph Kabila. C'était la seule réalité qui pouvait pousser Félix Tshisekedi à accepter où ils allaient ba demande na Bango. Nous sommes tous observateurs y a comment na que pendant ces temps que notre armée, les gouvernements Félix Tshisekedi a résisté pour dire non aux injonctions, aux propositions et recommandations internationales qui nous poussent à renégocier avec des étrangers. Pour tout côté, ça va nous armer na biso, tout côté, ça va nous avoir institution na biso sous prétexte que bazaba congolais. C'est la marge de résistance que nous avons tous accepté avec Félix Tshisekedi pour dire que non, non, non et non. Tout le monde a dit manipulation et genre nyonso. Ou ta année passée qui nous l'élo,
y a bateau bazalaye ko faire croire biso ki Goma eza ko tomber. Et on a envie des journalistes parce que démarche oyo et permettre biso ki to mona même ba ennemi intérieur ya nation oyo. Nous avons vu des journalistes propager des informations selon lesquelles Goma va tomber. Goma était déjà tombé dans l'esprit de ceux qui avaient l'intention de manipuler l'opinion. Si Goma aujourd'hui est comme la base de la résistance, l'État congolais a tiré moyen nyonso pour que Goma ne tombe pas, c'est une réussite. Félix Tshisekedi s'est battu seul contre la volonté internationale qui voulait qu'il cède par des négociations pour permettre à légitimer le mouvement M23. A acquitté Paul Kagame, Abima Libanda, Zala Lokola concerné. Nous savons tous que ce qui est le Goma, Batu Bazali, qui circule, Bazako Sala, Makamuna Bango, calmement, c'est une victoire pour nous, même s'il y a encore beaucoup à faire pour récupérer d'autres zones qui sont entre les mains de l'ennemi. Mais, les citoyens, Bazako vivre dans Nord Kivu, Bazako Payate, pour nous, Makamuni, Nézako, les canavilités. Et que Goma était infiltré jusqu'au dents pour que Goma ait Kweya. Batien même Batunakati, ba mercenaire, il y a eu même de nos généraux. Nyamulenge, je suis congolais, originaire rwandais, ba Kimi, à partir de Goma, ba Kimi pour rejoindre ba mouvement M23, parce que ba sentir que résistance est Zaki Makasi. Renseignement est là qui renforcé pour que Goma ait tombé. Mais tout ça, ba wazalendo, ce qui ba wazalendo, ba yeba ki yango. Et on sait que certaines manifestations ont tendance à vouloir distraire les forces de l'ordre pour na ko créer vent moko ya insécurité et pour permettre que ennemi akota a percé. Énergie Félix Tshisekedi a utilisé pour na ko secouer na partie est pour qu'il y ait changement, et ça qu'on pousse par ennemi, il y a beaucoup cannabiso, va créer par diversion. Il faut utiliser des mouvements citoyens, utiliser des sectes, utiliser des rébellions. Tu sais qu'il y a longo la attention qu'on a pas toujours en cas case de départ. Qui n'a pas vu comment il y a eu des balais diplomatiques, Union européenne, ambassadeur français. Ambassadeur à l'Union européenne, Bango Nyonso, destination Kaka Goma, Soka Yena Kishasa Bayambie, Ake Goma. Pour faire croire à ceux qui sont à Goma, que non, Baye, pour nous compatir, Nabiso, Louvoum, mensonge. Pour juste voir comment ils font pour résister, normalement, pression au Bacha Kiwana, manœuvre au Bango Bakreaki, et Zalaki pour que Goma est tombé. Comme à l'époque de Joseph Kabila, ils ont point Oyo et n'a qu'à permettre Tshisekedi à négocier. Tout est déjà parti, comme il ne reste que Goma, en tout cas, Bozo Oyo, Bozo Luka. Et puis, tout continuer chemin à Bissot en gardant les statu quo. Mais personne n'ignore ce qui se passe dans notre pays. Voilà comment on va maintenant instrumentaliser cette secte que nous appelons aujourd'hui Wazalendo. Parce qu'au départ, il y a du Meli Molo dedans. Personne ne maîtrise réellement quelles sont les vraies, les raisons fondées. La vraie lutte consiste en quoi? Il y a Moussa là-bas, Wazalin de Bazako Sal. Parce que Moussous, c'est comme qui m'a M23, Bazako qui m'a mouvement Oyo, et Zali na carnet noir, na liste noire, il y a gouvernement, pour maintenant, combattre Manakati, il y a secte one. Ce sont ceux qui se sont préparés. Bah si bah préparer qui bah qu'on paralyser ville bah qu'on détruire bah qu'on salo bah on balingi nous sommes en amour avec le gouvernement congolais bah qu'on dit qu'on s'attaque na bah installation ya MONUSCO bah s'attaquer na bah chancellerie bah ça la haut union sur bah on planifier qui devait être le responsable et tout ça au niveau international ça joue contre nous. Nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de dire non contre les complots internationaux, aujourd'hui la MONUSCO qui ne sert à rien. Mais attention, il ne faut pas faire les lits à ces complots-là. Toujours jouer jeu à l'ennemi. Nos frères se sont fait tuer bêtement. Si le langage est choquant, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Ce sont des jeunes gens, ce sont des personnes. Mais ça, c'est de l'instrumentalisation. Vu les gens en danger, on fait tout pour garder ces remparts-là en cherchant à récupérer d'autres zones entre les mains de l'ennemi.
tumonaki bien que même base ya EAC oui c'est jaki na Goma bavandi na barwandi na Goma objectif ezalaki que Goma tombe qui ne l'a pas vu chikoyo awa toza komona ka ba déclaration parce que il y a des gens qui ne cherchent que des zones d'ombre ba trou noir. Nous exigeons enquête soit faite, ces crimes barbares, ces carnages, que les auteurs, en tout cas, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Je ne suis ni criminel ni barbare. Nous avons fait ce comportement, nous avons humain. Non. Parlons comme ça, brut, pour que nous puissions peut-être nous avons expliquer, que nous puissions comprendre ce qui se passe au pays. Et pourquoi nous ne devons pas jouer au jeu de l'ennemi. Les militaires peuvent nous battre. Militaire à Zouaka combien? Et c'est pour le bénéfice de quoi? Pour que Félix Tshisekedi engage la garde républicaine à aller faire un carnage, tuer la population. Mais réfléchissons. Donc pour mettre terme à ce point, Ezali, façon, il y a quoi éclairer la situation où il y a un côté, Nandengi Bazolinga pour présenter Bissouango, pour tout yébi, ma mauvaise langue, où il y a un balinga qui récupérer politiquement. Cette situation balingi ba changer ango ba memango na contexte eza yango ti toute personne même ngai soki na zui mundu ki na kein espace public na lobige non au nom de ma revendication na zo ya armé soki na komi menace pour na ba force ya sécurité on va m'abattre. Hein? Peut-être que tu as un état de droit, tu as un démocratie, mais tu as un principe clé oyo. Et ça, là, un État, et ça, là, vraiment, réellement, un État de droit. Il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Et il y a aussi l'apprentissage, l'éducation qui est à la base. Il y a compréhension pour État et comment réellement, État de droit, État réellement démocratique. Les gens pensent que la démocratie, c'est ça, là, tu vas dans l'institution, ça, là, conformément, il y a un texte, et que nous, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Il y a beaucoup à apprendre. Donc, cette histoire de Wazalendo, cette histoire, nous sommes infiltrés partout. Les leçons à retenir que dans n'importe quel mouvement, au biso ba congolais to koyi ko sala na cadre ya ko revendiquer ba droit ya mboka na biso, nous devons faire très attention au risque de ne pas être manipulés par des gens qui ont tendance à nous diviser. Sango ya mibale tozali kolobela awa eza sango ya munguna aza kolemba aza kosala pe calcul na ye aza komona mabezo ya Paul Kagame enfin aza kosilisa na nettoyage na ye bato nyonso oyo ayaki na bango na pouvoir. État-major na ye ya bateau nyon so ba yebiye malam, ba homme na ye de confiance, ba komi mabe parce que le danger est là. Lobby a possédé na kotinda ba généraux ebele na retraite, ba officier supérieur, 12 généraux au total, ba kei na retraite, y compris James Kabarebe. Pourquoi en ce moment précis? Parce que ba changement assi a sali yango mingi a sali yango na armée na ye a longoli ba kasiki nyonso azaki na bango a sali yango na garde na ye républicaine na ye na garde rapproché na ye a nettoyer a tie moi na komi ko préférer mingi famille. Il prépare son fils, il a pris sa fille à côté na kati ya cabinet, donc il a déjà tout planifié. Maintenant la dernière décision a Zuyawa, allez James Kabare bifandana. C'est quelqu'un, malgré Balongo lié wana, place Oyoye Azali officiellement, mais son influence ne va pas quitter l'entourage de Kagame en un jour ou en deux jours. Azamutu Ayebi Kagame Ming a fonctionné na ye. Mais le coup là, coup d'état, Ezako Salema, solo ya coup d'état, Ezako Bangisa, ba président, ba dictateur rebelle africain. Il est obligé de réaménager son équipe, avoir maintenant des gens nouveaux oyo assis à préparer oyo bakoki ko permettre ngai nazala la rempart oyo ba yebi bango te
Libanda, le rôle de James Kabarebe, cet agent de renseignement qui a travaillé doublement. Bêtise, il y a Fdel et Sali qui tous à James Kabarebe, Panabiso. Aïe! Il y a une histoire beaucoup triste que je n'aime pas lire, c'est celle-là, avec l'Afdel. Chef d'état-major au Congo, chef d'état-major au Rwanda. Il exerce au Congo, il va encore au Rwanda. Congo, extension à Rwanda. Cette bêtise ici, Ezali, bêtise Oyo, Mouzé Laurent Désiré Kabila, a mémé la Kabiso Awa, sous la belle ya Afdel. Mais aujourd'hui, Kagame le fait pourquoi? Parce que ils ont un changement Oyo, ils ont inévitable. Peu importe les complots internationaux, peu importe la résistance que représentent les gens qui ont fabriqué Paul Kagame pour leurs intérêts, le changement est indiscutable et on ne peut pas stopper ces changements-là. L'élan qu'a pris le Congo avec Félix Tshisekedi nécessite qu'on stoppe, qu'on arrête Paul Kagame. Ma manœuvre n'y a pas de salle à l'interne, croyant qu'il se met en sécurité et qu'il a mon côté. Parce qu'il n'est que petit entre les mains de ceux qui l'ont fabriqué. Et ça n'a changement mon côté, Paul Kagame a coopéré dans Rwanda et qu'il a gardé en sécurité. Non, non, faux. Ces petits territoires-là de rien du tout, Kagame a koukaki ko se vanté le lote leadership, ou batumusu soutou ebite, ce qui est par envoûtement, bazo kendaka ko loué balobi leadership est responsable qu'il faut copier, batou baza ko sa la batou. C'est le résultat de la manipulation de multinationales. On appelle quoi dans un lukaki, ba multinationales ou ba fabriquer moto, ou ba permettre yé ke. A bénéficié à peine la richesse dans la Moïbi et Zako Bimana Congo. Biso Peba Koko utilisé Biso Loko la Yepo, Biso Toko Negosala quelque chose. Vous allez construire votre pays en détruisant les pays voisins. Et que c'est cela maintenant le modèle de leadership que les autres veulent copier. C'est vrai, chers Congolais, des informations comme ça, nous ne pouvons pas nous nourrir de ça pour tout là la Pongé que Kagame a Zamal à l'aise. Non, mais. Tout ça qu'on scrute pour n'a qu'on t'a paramètre ici qu'à Zali. Félix Tshisekedi sait bien gagner son temps. S'il faisait sa boxe, c'est quelqu'un qui sait bien encaisser les coups pour mettre KO son adversaire. Dans ce stade, comme il a Paul Kagame, il n'y a pas encore un mot, une action, il y a Congo, mais il est déjà au bout de ses stratégies. Ce ne sont pas les remaniements, les changements au sein de sa garde rapprochée, au sein de ses forces de défense qui vont permettre à ce que Kagame soit en sécurité. Là, il doit le savoir. L'insécurité qu'il a d'abord, premièrement, même dans sa propre famille, il y a l'insécurité. Parce que pour Paul Kagame, il y a un système qui a déjà duré, je dois aménager, mais il a maintenant pour ennemi ses propres frères Tutsi. Tous les Tutsis ne sont plus d'accord avec Kagame. Aux États-Unis, maintenant, il y a deux courants. Les Tutsis qui ont travaillé avec lui, que lui, maintenant, est en train de disqualifier à l'objet de servir Ngamalamouté. Vous ne me rendez pas un bon service. Ceux qui vous rendent un bon service dans les Nations Unies, bah, qui ont approuvé Makamu Congo à Zakolobate. Aux États-Unis, on ne pouvait pas parler le même langage que les Congos. Bah, qui n'ont jamais adopté Makamu Tshisekedi à Zakolobate. Il devient fou parce qu'il ne sait pas qu'à un moment, il y a des changements qui ne nécessitent pas que l'on résiste. Il y a un Zako résisté à Kanisike, il va continuer éternellement à être l'enfant chéri des Américains. Même les Américains qui font ces aventures-là savent que c'est pour un peu de temps, juste pour souffler. Mais face au droit international, face à la vérité qui a éclaté au grand jour, la vie de Kagame est courte. Et on ne sait pas comment ça va venir. Lui dit non, tu es dans le Ngolana, nous Kabarebe à la côte. Kabarebe ici qu'on attendait qu'on les sanctionne. Bah sanctionner était dans les États-Unis. Bah sanctionner était Bakeko Lukamutu Moussous.
Je suis un peu de temps. Il faut du sang neuf pour arriver à bien résister. Ce qui empêche les Congos de faire la guerre au Rwanda, ce n'est plus seulement que l'armée congolaise est défaillante, elle est infiltrée, tout ce qu'on savait là. Non. Les États-Unis aujourd'hui ne veulent pas que les Congos mettent fin à lui-même, à cette guerre. Parce que Tshisekedi est déjà engagé, il est là. Mais Amérique, la communauté internationale, a comme obstacle contre les Congolais, ils sont prêts pour se prendre en charge. Il n'y a pas de bataille là-dedans. Tu peux écouter Bundate, tu peux solo là. Tu peux solo là, Nini. Dites-nous le vrai contour de ces dialogues. Non, ça doit être résolu diplomatiquement. Diplomatiquement, donnez-nous les détails. Qu'est-ce qu'il y a là à négocier? Tu solo là, na bango Nini. Voilà, chers Congolais, pourquoi nous devons être prudents. Donc, en somme, il n'y a rien là à garder. Tobomba Ono, Kagame se prépare, il a une armée. Kagame n'a pas une armée. L'armée de Kagame réside dans les complots internationaux qui a voulu que le Congo ne soit pas un État, que le Congo ne soit pas organisé, que l'armée congolaise soit faible. Pour Basarabi Solokola Makayabu. Sujet Yasuka. Tout ça, vous soukissez en ango, ils appellent toujours corollaire dans ma cambango, dans Bobangi, il y a Paul Kagame, ils allaient sujet, il y a coup d'État ou Salamine à Gabon. Pour ceux qui avaient suivi mes analyses passées, précédentes, vous comprenez que prudence est mère de sûreté. Tous les coups d'État ne sont pas forcément profitables dans le pays ou dans la population. Premièrement, la réticence des alimingi na bato baza ko finir par ko comprendre que bandeko ndeko nda beti ndeko na yeku d'état. Bon, après tout ki ndeko na politique et ki ndeko sur le plan stratégique existe à côté, il faut toujours prudence et à la démise. Mais c'est le frère de Bongo, il est proche de la France. On ne sait pas est-ce que il a une pensée révolutionnaire en lui ou bien aza ko amuser galerie, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut apprendre du coup d'État na Gabon. Bato ba komi pe ko luka ko précéder ba événement mususu en créant des contre-événements. C'est-à-dire événement ba yebi ke eza inévitable. Mais ba créer le bino eloko moko boye, bo sepeli bo kanisi eloko biso to bandai ko luka yangwana. Lokola to yambaka kabila muza wa to lobi muze libérateur. Ndoka neto kendaki biso moko ko fongola parenthèse ya air ya ba seigneur de guerre. Parenthèse, il y a banditisme d'État. Hein? Parenthèse, il y a carnage, il y a histoire. Oh, et ça dit que tous à la risée, il y a Batulelo. Les Gabonais, maintenant, là, commencent à se poser trop de questions. Après les émotions, les sentiments, la joie, tout ce qu'on a célébré là, on commence à se poser des questions. Quel sera le Gabon de demain? Et c'est un marionnette ou c'est réellement un homme indépendant qui sera au service de son peuple? Là, il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup d'États. Démocratiquement, ce n'est pas soutenable. Mais ils ont mis Pepe Moussous, peu importe, ils ont la capé profitable dans le peuple et dans la nation. Mais il y a des gens qui se font des soucis, des fantasmes chez nous. Bato Oyo, Bakadogo, Bakomisa, Babaron, Babourgeois, Nabiso Oyo, la classe bourgeoise. Ba millionnaire congolais créé par l'AFDEL. Oyo ba teka na bango mboka oyo po bango ba binaka na bango. Ba somba ba immeuble na poto ba tonga ndenge ba lingi. Pour leur propre égoïsme, ils ont vendu ce pays aux étrangers. Bazana ba fantasme na mitu na bango ya que les vents là qui a frappé en Afrique centrale à partir du Gabon et qui peut goya na Congo. Mais ba kabiliste ba si la sonne réellement. Ces vents-là qui va venir au Congo, ils sont en pouvoir militaire. Mais cessez de rêver. Les militaires sont en pouvoir militaire. Tant que Tshisekedi a accédé au pouvoir, parce qu'il faut voir comment Tshisekedi se comporte. Garde républicaine au Kabila Zaraki na Bango. C'est crisé et tant que l'Union. Quand on a des images, il y a des hôpitaux qui sont en train de se faire. Il y a des images qui sont en train de se faire.
bana bazaye ko tanga na se na mabele Félix Tshisekedi a accédé na pouvoir a ke ko beta tour na kanchachi bana bazaye ko tanga na se hôpital soya malonga ezate il faut que yoka soni lui ce n'est pas un militaire les militaires ont dirigé notre pays pendant 52 ans toloba 52 30 ya Mobutu 4 ya Mouzé 36 toyokozona 18 ya Kabila faites vous même les calculs vous voulez quel militaire c'est des fantasmes ils allaient qu'on minimiser maintenant c'était mais le Congo n'est pas concerné par cette aventure là même les Congolais n'en pensent pas. Ce n'est même pas l'ordre du jour. C'est de rêver. Tu veux dire que rêver, bozonga na banditisme na bino. Et ça la bino, ba bourgeois. Oyo ba créer ka emploi te, ba emploi na bango ba engager des Libanais na ba Indiens pour prendre en otage les Congolais. Mais c'est honteux. Pendant ce temps, notre vieux Sassou se sent déjà menacé. À ça y est, baki déjà que awa parce qu'ils ont des renseignements. Museveni a ça ganga qui a lobby beaucoup d'état et zawa. Nazomo na beaucoup d'état. Il a zaki déjà na miso aigle a lobby deux coups d'état et kosalima awa. Nazomo na déjà beaucoup d'état et zolinge salima awa. Il faut se préparer, il faut bien sécuriser ma frontière. Il a ça zaki déjà ma précaution comme si lui est en sécurité. Maintenant le vieux Sassou a moni déjà que c'est Yindi non Angola yaka. Le président angolais est là-bas chez Sassou. Bagende ko solo la makambo ya CAC. Afrique centrale les a touchés, tous a concernés. Si c'est pour le bien du peuple, oui. Mais si c'est pour entretenir des vieilles dictatures, pour que Sassou, aluka soki Claudia, soki nani mususu autolobakawa, ba sala lisusu continuité. Et la France est toujours dans la manœuvre pour créer des événements qui sont contre-événements. Quand on a dit que les gens ne sont pas les gens qui ont anticipé, ils ont coup d'état pour pouvoir placer un homme fort. Ils ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens. Allez, ça s'est passé par la grande porte. Bah maintenir statu quo, mais na voile moko boya changement bino pe bo applaudir yango bande ko na biso ba congolais ngambu mu comme les congolais d'ici soyez prudent les menaces sécuritaires sont réelles, les menaces de coup d'état sont réelles, mais tous les coups d'état ne seront pas profitables à nos pays pona kozwa elenge ya mayele loko la président wana ya Burkina Faso wana eza facilité azana vous voyez que dans son sang il y a vraiment le panafricanisme, il y a les soucis de réveiller son pays. Ce ne sont pas tous les militaires qui auront cette passion là de servir leur patrie. Ya mwe za ko singa ke to fungola misu bandeko a bon entendeur salut, mais sachons le bien que Félix Tshisekedi et les Congos ne sont pas concernés. Nous vivons bien au Congo, même si nous ne sommes pas encore à notre satisfaction. Tu veux dire que fort, ils ont consenti à wa. Au tali état au militaire congolais azali. On voit ce qui est aujourd'hui nos militaires, petit à petit, avec la volonté politique de Félix Tshisekedi, on sait que l'avenir est meilleur. La place des militaires, ce n'est pas dans la politique. Il y a même nos militaires commerçants. Oyo pe bachaki ba ide wana na mutu na bango bazokende ko proposer bango to sala ki bino ba riche. Nous devons travailler pour faire partir cet homme ba yebi qu'ils ont échoué pendant 5 années. Félix Tshisekedi a déjà raté plusieurs coups d'état. Mususu to yebi te. Nous avons dit émission alelo et comme na suka Paul Biya n'est pas épargné et tous les autres ne sont pas épargnés, mais les coups d'état, ah, c'est Dieu seul qui a la maîtrise de tout. Nzambende azamo konzili kolona nyonso. Le plus important, c'est le destin, Dieu. Émission mukola lelo esuki wana nazaki na esengwa koyeba bino ebele na bolandi émission o esoki salamité bozalaka vraiment n'esengote. Na yebike mukili mobimba bozolanda samba olonga na nord comme na sud, na est comme na ouest, on reste congolais. Et debout
pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Je remercie l'équipe technique de Mbiyacha Koshadra qui nous a accompagnés pour que cette émission vous parvienne. Et merci également à l'apôtre Gérard Kabeya, le candidat député de la Tchangou, vous devez le soutenir. Matondo Mingi na l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga. Matondo Mingi na mon vieux Maurice Kikangala depuis l'Irlande. Merci Mingi na Paulin Tika na France. Je remercie aussi également Papa Freddy Ngwama, l'élu d'Ilebo. Merci à Maman Bill Bilonda. Merci à Maman Lisette Mumbendou. Merci à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les amoureux du plateau des éclairés, continuez à partager cette émission, likez, aimez, surtout laissez vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Riyad en Arabie Saoudite, depuis le sud de la France, depuis le Canada, les États-Unis et partout dans le monde. Continuez à éclairer le monde en partageant l'émission Debout Congolais. Bomoko Bolingo, Lisanga, Yangonde Kosala Ete, Ekolo Kongo, Etombwama. Debout Congolais, on reste debout, fardeau c'est Namotema. Tomonani, prochainement. Bonjour RDC, bonjour la RDC. Nous vous présentons la TTM, la Tourism Transformation Mission. Nous sommes avec Master P, qui est le réalisateur de ce programme, et au fait usage de Ayaboulé la production pour ce programme. Nous vous présentons la TTM, qui est un espace catalyseur pour pouvoir développer les programmes de tourisme de la RDC pour l'Afrique et envers le monde, selon certaines lois que je vais bientôt vous citer. Merci beaucoup. Je m'appelle Samuel Kasereka-Misemengo. Je suis son ambassadeur, je suis son représentant. Je vous remercie. Nous diffusons à partir de l'Afrique du Sud, de la ville de Pretoria en Afrique du Sud, et on voudrait remercier sincèrement notre confrère en RDC, Justice Moshamesh de la JICAM TV, qui est notre présentateur en RDC à Kinshasa. Merci beaucoup. Sous la réalisation 58-232 de 1975 Nations Unies, revue et amendée le 23 décembre 2003, la Convention Retosa, Regional Tourism of Southern Africa du 14 juillet 2015, la loi nationale 46 de 2013 et la loi numéro 3 de 2014. Nous sommes ici pour la promotion du tourisme par tous les moyens appropriés et coordination de toutes les activités du secteur, la promotion du partenariat privé-public dans les domaines du tourisme, la mise en œuvre des traités, conventions et accords régionaux, sous-régionaux et internationaux relatifs au secteur du tourisme. Nous faisons également recours à cette industrie pour combattre la pauvreté et le chômage cuisant qui font ravage en Afrique subsaharienne pour la jeunesse. La tranche d'âge, selon la loi qui est de 18 à 35 ans, les familles monoparentales ou les femmes seules, aussi papa seul, et la famille, la catégorie des personnes vivant avec handicap. Ce sont ceux-là que nous voulons, n'est-ce pas, assister. Deuxièmement, nous voulons attaquer les problèmes de l'économie de la RDC qui représente une transformation structurelle très limitée, les problèmes de la pauvreté, parce que le tourisme est un bon catalyseur. Nous voulons aussi